Gros bonsoir pour nous toutes. Nous comptons rentrer la caille nous aujourd'hui. Hein. Nous, vendredi 30 août 2024, c'est dernier paraître. 30 journal spécial, si là. Un journal qui fait en collaboration avec VOA Creole, côté que nous pral informer de ensemble point cap dominer actualité. Hein. Bon, la caille pas nous avec l'autre bord de l'eau. Mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer notre tranche journal spécial, si là, gagner un partenariat à qui signe entre gouvernement. Gouvernement haïtien ak gouvernement taïwanais, côté que gouvernement taïwanais fait un don 400 kits équipement ak PNH et puis force l'armée pays d'Haïti dans l'idée pour que yo capable mettre un bout ak insécurité cap valé terrain dans pays d'Haïti. L'autre information que nous pral wè dans journal ça, nous pral wè dossier insécurité, la police continue avec opération dans quartier Belay. Jusqu'à présent, gagné 18 bandits qui est établi basio dans quartier Sila qui déjà fait voile pour un pays sans chapeau dans cadre opération que la police nationale d'Haïti force l'armée pays d'Haïti avec policiers kenyans déjà à temps mais dans quartier Sila depuis mercredi qui était 28 août 2024. Nous parler l'autre bord de l'eau pour aller dossier qui vient pour avec élection gagner candidat à démocrate là Kamala Harris qui lui-même continue prend avance sous candidat républicain Donald Trump dans intention vote dans pays États-Unis par rapport avec élection qui vient pour faite dans pays ici là dans date 5 novembre cap vinila. Point sa yo avec plusieurs les autres encore ap gagner pour vin développer dans journal là mais c'est prêt après pause là. Yon l'autre fois encore n'a salué tout le monde qui déjà a connecté, n'a salué toutes amis internautes yo. Bienvenue dans dernier paraître tranche journal spécial ça, un journal qui fait en collaboration avec VOA Creole. Moment arrivé pour que nous capable vin développer pour nous point que nous saute annoncer en titre. N'a démarré avec information qui vient pour ak coopération gagné gouvernement taïwanais qui fait un don jeudi 29 d'août là de yon lot de 400 équipements ak police nationale d'Haïtien et puis force l'armée pays d'Haïti dont ça li rentre dans cadre pour capable renforcer capacité intervention ak opération force l'ordre pays d'Haïti dans l'idée pour que yo capable mettre yon bout à question insécurité cap ravager pays ça depuis yon bon bout de temps jusqu'à présent. Nous dit monsieur Axamio yo pas suspendre défier la police à chaque fois que yo sorti. Eh bien gouvernement taïwanais li profiter par rapport avec situation qui gagne dans pays pour qu'il capable faire un don avec eh bien police nationale d'Haïtien et puis force l'armée pays d'Haïti yon don de 400 équipements pour police nationale d'Haïti ak force l'armée pays d'Haïti. N'a quitté information qui vient pour ak partenariat pour nous voir dossier insécurité. Faut nous dit que jusqu'à présent opération yo a poursuivre dans quartier Belay, une opération que la police tamen depuis mercredi 28 août 2024 là ensemble avec force l'armée pays d'Haïti et puis policiers kenyans yo jusqu'à présent d'après RNDDH, ta gagné 18 bandits qui t'a déjà fait voile pour pays sans chapeau. N'a pas rappelé quartier Belay, c'est youn quartier qui occupé par M. Axam Sayo qui vraiment théorisé population. Yo fait tout ça au connaît et c'est au même cap dirigé dans quartier cela et opération a pas continué jusqu'à nouvel ordre. Et d'après RNDDH, t'a déjà gagné eh bien yon quantité de 18 bandits qui déjà fait voile pour payer sans chapeau. N'a pas quitté information yo pa bola kay pa nou pour que nous capable faire un vuelta nous pour aller dans pays États-Unis pour aller dossier qui vient pour ak élection gagner un candidat républicain qui c'est vice-présidente pays États-Unis Kamala Harris qui lui-même continue à devancer yon moun tankou Donald Trump qui lui-même
lancer candidat républicain par rapport avec intention en vote. Depuis un bon bout de temps, candidat républicain n'a parlé de Donald Trump, li wè la pè di plume par rapport avec concurrent Kamala Harris que li gen pou affronter nan prochaine élection qui gen pou fèt nan pays États-Unis nan date 5 novembre kap vini la genyen en pile intention de vote qui voté depuis après CNN qui t'est fait nan ville Chicago et c'est là que parti démocrate là li pral l'ouvri campagne li officiellement et jusqu'à présent quand démocrate yo vraiment rete confiant par rapport avec Kamala Harris selon eux même qui t'a doué remporter élection qui gen pou fèt nan pays États-Unis nan date 5 novembre cap vinila. C'est avec information ça que n'a mette yon bout nan tranche journal et spécial ça. Nous te prenons pile plaisir pour que nous te capable pote le pour n'a souhaite yon bon week-end et surtout rete connecté VOA Creole journal rendez-vous avec VOA Creole pour que vous capable suivre reste information yo. Ancien sénateur élu Grand Danslan Guy Philippe dernier jour ça c'est une cible tout le monde. Gagné une responsable RNDDH n'a parlé de Pierre Espérance li pat met de l'eau dans bouche li pour être capable parler de Guy Philippe. Récemment, DCPJ mettait un rapport dehors et à travers rapport ça, DCPJ fait connaître que Guy Philippe li associé ensemble avec Vive Ensemble. Guy Philippe des fois li utilisé canal yon journaliste pour capable parler ensemble avec Vive Ensemble. En gros, DCPJ voulait faire comprendre que Guy Philippe ap travay pour vivre ensemble ou bien vivre ensemble ap travay au détriment de Guy Philippe. Dernier en date là c'est Widlin Pierre. Depuis cité non ça en pile moun capable wè ki es. Widlin Pierre c'est une figure de proue canal plein Macbaou. Canal qui wana met là. Faut nous dit que Widlin te parlé de Guy Philippe. Li fait mention, li fait connaître que Guy Philippe voulait utiliser canal là pour faire campagne politique li. Et faut me dit nous, c'est pas seulement Guy Philippe qui parlait de Widlin Pierre, mais gagné Myrtille Maslin en pile monde connaît sous nom arabe qui parlait de Widlin Pierre, mais n'a vienne sous arabe là. Guy Philippe pas seulement parlé de Widlin Pierre mais li parlé tout de rapport de CPJ, li tourné sur rapport de CPJ. D'ailleurs Guy Philippe fait connait que li ka parlé à n'importe monde, pas de monde qui capable dicter pour dire mais à qui monde pour parler, mais à qui monde pour pas parler. Et li fait connait que si pour parler à tout le monde pour aider Haïti pour bay Haïti coûte, mais eh ben il déjà parle à tout le monde. D'ailleurs il dit tout le monde car il lui même fait connait que jodi là les États-Unis pas qu'à a passer mon l'ordre pour les États-Unis a dit mais à qui est-ce on monde doit parler. Guy Philippe al plus loin pour dit que jodi yon instance tant que DCPJ qui fait partie de la police nationale d'Haïti qui sont instance en dans PNH là institution policière là c'est tout le DCPJ qui donc tout ça DCPJ mandé tout ça les États-Unis mandé DCPJ prêt pour le bail. Guy al plus loin pour dire les États-Unis pas remet Haïti. D'ailleurs blanc gen plan pour le craser pays et yo pas vle Haïti avancer pour pays capable changer. D'après Guy Philippe c'est parce que les États-Unis communauté internationale gen plan pour que pays craser
qui fait que yo pas vle nous avancer, yo vle nous rester dans ça nous y a là. Et youn nan bagay ki genyen la kay Guy Philippe, le la pale, li pa mette glo nan bouchi pou le pale. Tout ça moun ap di tout ba, Guy Philippe pren plaisir pou le di yo très haut. Et Guy Philippe parle de autorité nou yo. Qui sa le di de autorité yo? Jou genyon l'état sérieux qui crase violence structurelle là, tout bagay ap rentre dans l'ordre. Après ça, yo pral attaquer violence conjoncturelle. Là, Guy Philippe parle de violence structurelle, là parle de structure qui est en place là. Structure qui est en place là, son structure qui est bien montée d'après Guy Philippe. Qui donc autorité qui gen la yo jou yeux yo capable l'ouvri pou yo wè importance nécessité pour craser eh bien violence structure ça mette là laisse ça yo capable craser violence qui gagne en après qui c'est violence conjoncturelle. C'est structure là d'après Guy Philippe qui menait ensemble avec conjoncture là parce que Guy Philippe dit, structure là tellement puissant, c'est lui qui bail naissance ensemble avec monsieur dame qui gen zamyo, monsieur dame qui a fait ça pas ça dans pays pour que yo capable craser pays. Parce que c'est un plan qui bien monté. Et ancien commandant Guy Philippe, ancien sénateur élu grand instant, Guy Philippe, là le plus loin pour le dire que l'État haïtien a baigné dans la corruption. Et ça qui fait, eh bien, États-Unis a fait ingérence comme ça dans le pays. Le fait que l'État a baigné dans la corruption, l'État connaît chaque dirigeant qui est grand nous. Kay Orfev, Amérique connaît que chaque dirigeant qui est dans l'État, li gen dossier chaque grain moun sa yo, qui donc, li toujours a fait ingérence dans dossier qui est pour ak pays. Guy Philippe parle en pile parole, li dit en pile cause, el bay en pile vérité. Bon, invite nous tande, ancien sénateur élu, grand d'Aslan, Guy Philippe, qui lui-même, t'a parlé, il t'a répondu une question. Pas ici en vrai. Si je dois ici comme ça pour dire, nous mettons forcément ensemble, là, arriver, franchement, échanger système là, échanger barrière là. Et nous, on va changer, je veux dire, c'est que tout volet est dans le même panier. Tout le monde met de figure dehors, tout le monde voit qui est-ce qui marche dans le pays, qui est-ce qui tchoule, qui est-ce qui volait, qui est-ce qui corrompu, tout le monde. Guy Philippe dit, seule chance que le pays a gagné là, c'est parce que tout volet nan même panier. Tout moun wè qui est-ce qui vole, qui est-ce qui marchande pays, qui est-ce qui choule, tout moun wè qui est-ce qui est-ce. Lè Guy Philippe parle de tout moun wè qui est-ce qui marchande pays, qui choule, qui vole. De qui est-ce Guy Philippe a parlé. On continue tande Guy. Il suffit que le peuple prenne conscience que le peuple comprenne les messages là et que nous faisons ça pour nous faire pour nous capoter le régime ça et une fois pour toutes. D'accord. Et commandant, et merci parce qu'on répond à l'invitation Le Motivateur. Alors, question pour vous, commandant, c'est parce que Gayouri m'a cap circulé à travers les rues qui fait comprendre que DCPJ a gagné un rapport, côté que tu as cité non dans le rapport, comme si quelques journalistes ont arrêté. Journaliste ça, ils dit que ils ont été conservés d'intermédiaires entre ou même et vivre ensemble. Qui soit dit dans cause de ça? Bon, moi, je m'arrête pour y avoir ça sens. Et m'a dit que moi-même, bah, j'ai un bon humour en Haïti. C'est pas moi qui t'ai bâillé un examen. C'est pas moi qui ai mes jeunes garçons. C'est pas moi qui fais kidnapping. C'est pas moi qui crase le pays. C'est pas moi qui tue le président. Quand il y a là, bon, les gars disent, ok, mais journalistes. Et journalistes aussi, des noms, bah, ils m'ont soumettre le devant là, pas qui est. Donc, c'est toujours même bagarre à faire, c'est un capable d'intimidation, parce que le système n'est pas content, et Jean-Luc Campier est en face d'IA, élection va arriver aux États-Unis, et patron, DCPJ, tout le monde connaît, c'est ambassade américaine, il va hésiter, kidnapper,
illégalement pendant la américaine en 2017, malgré ton sénateur et en fonctionnant au pays, selon l'article 95 constitution. Donc, encore une fois, il y a même préparé une façon provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour si vous arrêtez ton monde, vous n'avez pas dit qu'on a l'autre monde qui va dans mon oncle, qu'on va parler avec nous, qui t'a dit qu'on joue rôle d'intermédiaire pour Guy Philippe, d'interface pour Guy Philippe. Pour Guy Philippe faire qui ça? Pour parler qui ça avec bandit? Pour parler qui ça avec gang? Pour parler qui ça avec politicien? Pour qui ça a besoin d'interface? Pour qui ça a besoin de ça? Donc, on trouve que son jouet, son vaste blague, son race, qui ne fait pas un bal aucune importance, parce que légalement, il n'y a pas qu'un besoin. Légalement. Donc, encore une fois, moi, dit, moi-même, Guy Philippe, moi, dit plusieurs fois dans la radio, je pourrais vous parler à tout haïtien, inclus ça aussi, vous voulez. Inclus mesdames, ça va bien, ça va bien, aussi, vous voulez. Je pourrais vous demander, je pourrais vous parler avec vous, je pourrais vous comment vous montrer que ça fait la craie, la le pays, pour le pays en chance, pour le pays à fonctionner. Si vous voulez. Et je vais vous donner une autorisation. Même si je me débat hier à Zamin Dapalea, pour me donner un numéro, si vous avez le numéro. So, on va m'autorisation pour me donner pas mon numéro qui t'arrive. Bah oui, dis-le. Dis-le, il doit mettre barbecue, il doit mettre vider l'homme, il doit mettre ISO, il doit mettre tout le monde dans toute tout bagaille dans le pays. Dis-le, je vais parler avec vous. Faut Haïti faire une chance, faut aller sur chance. Faut toujours faire une parler. Comment avoir une solution sous son leader ou père avec le monde? Comment avoir une solution sous son leader ou pas avoir une responsabilité? Et pendant ce temps, il n'y a pas de vas-y, journaliste dit, oui, bagaille, menti, oui. Il y a une preuve que l'ambassade américaine relaie vider l'homme pour les deux types d'un problème. Il y a une preuve, ça, oui. Il y aurait les, il y a toujours, c'est comme ça, tout le type là, mourir, parce qu'il y a un gang en face de gang, il y a une ambassade qui voyait, l'autre c'est gang, il y a une tirée sur l'autre, deux types là, mourir. Donc, qui est-ce qui baille l'ambassade américaine autorisation pour le balak Nexao? Pour le Nexao? Qui est-ce qui baille CNN autorisation pour acheter un cas éviter l'homme, pour parler, faire la guerre avec éviter l'homme, pendant qu'il y a toujours que FBI, bon mandat contre Nexao, il y a un écope sous tête Nexao? Or, comment pensez que CNN va chita, on compte faire plusieurs heures de temps à parler de l'homme pour l'ambassade américaine, pour servir d'intelligence, parce qu'on est exactement côté journaliste, oui. Donc, quel est-ce que ce soit une hypocrisie, ça? Quel est-ce que ce soit une hypocrisie, ça? Moi-même, pas envie de faire ça avec aucun monde. Pays en danger, pays en danger. M'a fait ça pour me faire, pour me dire quoi, même qu'à Haïti, dans sa lia-là. Et si c'est pour me parler, avec, même Aristide, nous pouvons me parler avec. Ça veut dire que non, ou pas de problème pour être capable de négocier avec quelqu'un. Bien, ça, Guy Philippe dit là. Depuis un bon bout de temps, Guy Philippe s'est lettre à citron avec ancien président Jean-Bertrand Aristide. D'ailleurs, c'est même Guy Philippe ça qui voyait Aristide aller en 2004. Pour le montrer, depuis ces questions pays, le fait que les changer pays, il est prêt pour négocier ensemble avec Jean-Bertrand Aristide. Il est prêt pour négocier ensemble avec Timothée Axamio. Si c'est chita pour le chita ensemble avec eux, pour le dire, monsieur, ça n'a fait, il n'est pas bon par rapport ensemble avec la population, il est prêt pour le faire. Et objectif là, par l'autre pour Guy Philippe, c'est capoter pouvoir qui est là. Et d'ailleurs, Guy Philippe toujours dit, non, il y a un temps qui n'est pas trop long, révolution doit commencer. Et il toujours appelé des peuples pour qu'ils soient capables de motiver pour la révolution. Ça. On continue d'attendre Guy Philippe. Aristide même, et depuis c'est ça qui a rapport avec sauver Haïti, retirer Haïti dans la situation là. En attendant, le problème c'est arrivé dans le pays, là, c'est un problème qui est construit, qui est planifié. Ou bien Mme Lalim qui vient par exemple, il m'a demandé pour tout le monde de mettre ensemble. Mais quand est-ce que je vais nous faire ça? Encore une fois, ma brave, on va à Haïti, non? Avec des barrières, on dit qu'il y a des amis avec ça. Bah, il y a un monde qui a dit, vous voyez, kidnapping pour moi, à l'ensemble des mondes, à le voler. Non, pas jamais. Je veux une zame, ça. Hein? Comment est-ce que je veux une organisation qui vient? Qui est-ce qui crée une exao? À qui fait que vous créez une exao? Pour qu'il y ait un petit problème qui commence tout petit comme ça dans le village de Dieu, que l'État ait toute force là, pas neutraliser et écraser, éliminer ce problème ça. Donc, son plan, n'est-ce qu'on mène nous là, n'est-ce qu'on crase le pays, on fouille le long trou, et qu'on y a un exao parler moins de vérité. D'ailleurs, c'est ça qui fait que le plan amnistique que je bail là, avec commission vérité, commission justice, ça bail au problème. Et commandant, allô? Est-ce qu'on parle tout, c'est une manœuvre qu'on a fait d'une façon et pralgué élection pour être capable de barrer ou? Est-ce qu'on parle ça? Bon, on est tout rêve que c'est barré. D'ailleurs, ouais, que tout le pays ici a demandé, il a dit qu'il voulait notre leadership. Il a demandé c'est moi pour gérer la transition. Ou changer tout le bagage dans la tout côté. Dans oui. Tout pays, dans l'international, là, plus en Haïti. Mais Blanc, à Kao Gassé, il vient, il prend 9 corrompus. Il prend 9 nègres. Blanc, bien qu'on est corrompu, il est. Ça, il a fait que Blanc, on ne sait pas le faire. Il connaît. Mais c'est moun sa rôle qui veut pouvoir en Haïti parce que c'est moun sa rôle qui a bailler l'ordre. C'est moun sa rôle qui veut pouvoir en Haïti parce que c'est moun sa rôle qui a contrôler, lui même pour continuer piller, voler tout petit salmien et non seulement. OK.
Donc, nous avons son plan que nous construisons pour mener Haïti dans tout le pays. Là. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous ne sommes pas là pour nous venir suivre plan blanc pour Haïti. C'est nous qui avons un plan par nous. Et nous avons un plan. Et ça, nous dit nous-mêmes, dans 90 jours, nous avons un plan pour nous mettre sécurité dans le pays. Pour tout le monde qui a déplacé à l'école, mon travail, tout le bagaille, pour tout le monde qui a entré le pays, pour le monde qui a diaspora, qui a entré la caillou, qui a acheté le caillou, qui a venu faire le dernier jour en Haïti, pour qu'on ait une tranquillité et la paix publique, là, pour venir la caillou, vivre en paix. Mais n'est-ce pas que les Haïtiens vivent en paix? N'est-ce pas que les pays avancent? C'est ça qu'on va faire tout ça. Il y a plus que 4 mois sous pouvoir. Qui sont-ils faits? Qui mesure prend pour que changer? Qui ça vous fait? Parce que si nous avons une insécurité, ça, on a vu aujourd'hui dans la rue. C'est tout cas de corruption, ça. C'est une misère extrême, qui fait que les jeunes, ça, viennent vulnérables, qui ont manipulé les jeunes, ça. Le jour où on est à sérieux, il faut travailler pour le pour craser violence structurelle là. On se faut craser violence structurelle là. Mm-hmm. Pour craser violence et conjoncturelle qui la vive et dans la rue là. Okay. Violence structurelle là, c'est l'État haïtien qui a baigné la corruption. C'est les États-Unis d'Amérique qui a fait ingérence, qui veut pour contrôler tout système, non, justice, non, sécurité, tout bagaille, politique, non. Tout autant de bagages, on l'état sérieux, qui a un plan pour étirer le peuple haïtien dans sa vie, qui a un plan pour craser la misère extrême. On a toujours, bien, si monsieur, si mesdames, qui vulnérables, qui sont prêts pour faire n'importe qui bagaille, même prendre des armes, kidnapping, faire tout le bagaille, pour qu'ils survivent. So, oui, commandant. Pardon? Oui, commandant. So, ça veut dire que, ou même, ou là, ou positionné, ou étant que, yon, comme un rassembleur, comme si pour rassembler nous, et puis pour nous mettre tête ensemble pour nous avancer. C'est ça lié. Moi-même, moi, tout rêve, c'est vrai que le peuple vive bien. Tout le monde pour bien sécurité et tout stabilité. Mais bon prix. La société croisée bral pendant trop longtemps, bon prix pour joindre la paix publique. Bon prix. Ou pas, par exemple, tu as un problème Afghanistan qui a crasé les États-Unis. Ou pas, le gouvernement américain négocier la paix avec les talibans, que vous avez dit que c'est terroriste, oui. Pour y'a qu'à joindre la paix. La paix n'a pas de prix. Si je dis, il faut que nous fassions commission, justice, sécurité, pour nous balancer dans l'amnistie. Si nous avons 10 ans, on dit là, bon, 5. Moi, je n'ai pas dit que je venais à ça. Qui est-ce qui met dans ce lien? Pourquoi je suis fait? Comment tu as résolu le problème? Pour parler avec tout Haïtien, pour faire un dialogue vraiment inclusif, pour tout le monde qui a dit ça fait au mal. Nous avons une solution. Nous avons une vraie solution. Nous avons un plan. Nous avons là pour pouvoir sans plan. Sinon, que voler, détruit, et quitter les États-Unis à mettre pile sous coup souveraineté, nous, on chaque fois pire. OK. Et commandant, excusez-moi, bien, il y a souvent action parler plus que parole. Quelle soit cette stratégie qu'on gagne par rapport à tout ce qui a passé là, parce que parler seulement ne suffira pas. Donc, il faut qu'il y ait une certaine action. Comment qu'on parle passé pour permettre que vous passez de la parole aux actes? Et qui plan en quelque sorte? C'est certain. Parler seulement pour faire des balades. Il faut qu'il y ait une action pour faire dans un niveau. Mais on va faire une révolution. On va faire une prise de conscience. Si on va parler, si on va expliquer, il faut dire peuple là. Il faut dire mon Dieu. Il faut que tu connais pour une bataille. Il faut que tu connais le plan. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu épouses pour ça. Il faut que tu aides et avances avant. Donc ça, c'est wall long. Nous, j'ai mon peuple qui t'a dormi le mois de là en décembre et 2023. Pendant t'a dormi, mais nous levons peuple là avec 10 pour nous. Nous levons peuple là. Et nous parlons peuple là. Peuple levé. Ils comprennent. J'ai commencé à ouvrir. Oui. Ouvrir. Ils comprennent le vrai problème là. Mais qu'on y a là, faut bien nous avancer. Ok. Faut qu'on ait tout bagarre bon coup. Et par contre, monde t'a aidé nous en Haïti. Par contre, monde t'a vraiment aidé. Donc, c'est ça que moi, je dis, nous faisons un voyage, nous faisons aller, nous faisons une commission, nous faisons une délégation pour me chercher aide dans mes autres amis. Dans mes monde international là, vraiment, voulait aider Haïti. Parce que le système lui-même là, assurer qu'aucun mouvement qui compte système n'a pas gagné de moyens. Annoncer une bonne nouvelle. Légui Philippe a annoncé que dans le jour qu'il vient là, il vient pour le déplacer, pour aller chercher aide. Qui sort de aide? Qui aide Guy Philippe Ralmandé? Est-ce que ces âmes, parce que tout à l'heure, nous entendons bien Guy Philippe dit que jodi en là, l'ipat dans le pays, tout le pays, ça va rentrer. Si monsieur a des âmes, si monsieur a fait kidnapping, il n'est pas responsable de âmes qui rentrent, il n'est pas responsable de kidnapping qui fait dans le pays. Et objectif là, par l'autre, que chercher moyen ou capable aider paysan sorti dans étalier là. L'elle parler de amnistie, oui, chef gang n'était capable prendre 10 ans prison. Li dit comme ça que au lieu de 10 ans, n'a bon 5 ans. Bon nouveau détail, bonne vérité de qui koto joine zam sa yo. Qui est-ce qui bosse zam sa yo? C'est de amnistie ça on t'a parlé. Et là, le plus loin pour le dire que l'ité grand plan 94 jours pour être capable de mettre la paix dans le pays. Est-ce que Jean-Guy Philippe parle là? Est-ce que c'est une façon pour endormir le monde? Ou bien est-ce que Guy Philippe déjà prêt
Guy Philippe déjà gen plan pour que li retire pays dans sa li là. En tout cas, li rete pour nous pour nous connaître parce que des fois nuit l'emporter bon conseil. On font chavirer pour nous font arriver Bel Air dans cadre opération ça que police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti et la police kenyane a mené dans quartier là. Avant même dans la question opération que la police a mené Bel Air, faut nous dire que gen gouvernement haïtien qui mettait dehors yon circulaire et premier ministre paysan Gary Conille li montrer que li vle la paix. Li vle résoudre problème insécurité qui est là. Selon yon circulaire primature mettait dehors dans date 28 août 2024 là, li mandé avec directeur général yo responsable organisme autonome yo jusqu'à vendredi 6 septembre 2024 pour que yo capable libérer ensemble agents unité spécialisée PNH lan ak FADH qui affecté dans sécurité yo sorti 28 août rivé jusqu'à 6 septembre. Tout policier qui affecté avec yon directeur général, tout policier qui t'a fait partie de eh bien yon unité spécialisée qui nan do yon directeur général ou bien qui affecté nan sécurité, eh bien yon organisme autonome, tout policier sa yo à partir de date ça yo doué quitter VIP an, yo doit quitter eh bien sécurité ça pour que yo capable rejoindre PNH là. Et moi ça très mal jodi an nan état payan yé là pour que gen des militaires cap sécuriser yon quelconque directeur général. Nous gen yon institution policière qui déjà pa gen en pile membre dans effectif li parce que effectif la police là. En d'accord aujourd'hui, il y a plusieurs policiers qui tombaient. Il y a plusieurs policiers qui abandonnaient. Il y a plusieurs policiers tout. Ils ont lagué pied par rapport avec situation pays. Et jusqu'à présent, pas quoi que responsable au niveau de la police nationale d'Haïti connaît combien policiers qui quittent pays dans quatre programme Biden là. Pas quoi que yon moun capable camper pour dire que jodi an la nous te gagné tant policier kounyan nous gagné tant policier et c'est de temps en temps ou tendez gagné des agents de police cap tomber tribord et pas bon récemment là pendant semaine là gagné Nathaniel jeune demoiselle 32 ans ça qui tombait en babal. Complot familial pour question T. Gen l'autre police encore nèg exam touyé. Et par rapport avec quantité que nous gagnons là yo. Gagné qui décider abandonner pour une raison quelconque. Gagné tout qui abandonner c'est par rapport avec yon action malhonnête que yo fait. Si la prend dernière date policier ça qui rele Benoît Ivenson yon policier yon kembe nan question détournement camion marchandise parce que badge li bourse li zam la police tan balle la eh bien tout ça yo en temps DCPJ a paqueté. Ou pral di mou te genye 100 policiers. L'on présente un papier ban mouen avec 100 policiers. Et policiers ça. Inspecteur qui sont tombés récemment devant envahi hôtel la Matinière, Wilson la Matinière. Est-ce que ou pral présente
un document pour une quantité de policiers que vous avez. Est-ce que la Matinière parle là-dedans? Policiers, arrêtez-vous. Moi-même, information que vous avez, je connais 4 policiers. Dans une minute, je parle avec nous là qui DCPJ cap répond à une question par rapport avec implication yo dans question base dans question nèg exam. Est-ce que policier ça yo compter? Mais non. La police pas gen un effectif normal. Jodi an la pa gen pièce dirigeant, pa gen pièce responsable au sein de la PNH capable di nous combien policiers cap desservi population. Fòm di nou que opération ap ka poursuiv au niveau de Bel Air, Solino et Badelma, même que dans Badelma gagné quelques petits bouches pas goût entre la police haïtienne et la police kenyane, parce que policier kenyan yo vinn rive un moment yo pa vle faire pénétration, yo plus vle faire encerclement, non pénétration. L'aime dit encerclement parce que la police a fait intervention dans zone, faut que zone n'est capable de barricader, faut que zone n'est capable d'encercler. Policiers kenyans plus voulaient encercler zone que yo fait pénétration. Pour qui ça? Monsieur a jugé que blindé qui n'a même pas. Li pas adéquat pour genre de opération que yo vle yo mener. Le fait que blindé an li pas adéquat pour genre de opération ça qui donc monsieur yo senti que yo pas à l'aise en dans blindé yo. Pendant que yo campé kounya yo pas vle faire pénétration, est-ce que pi devant nous pas privé non face côté que nous joignent que policier kenyan yo pas vle participer dans opération. Par rapport avec opération qui a mené Bel Air là, est-ce que nous pas privé au moment côté que tout policier kenyan yo recevoir l'ordre, yo dit yo rentrer dans base et sortir d'ailleurs opération li campé. Quand on baï comme ça. Parce que jodi an au niveau de Delma 10, policier rentré gen un bacolo de qui rentré dans l'idée pour craser quelques barricades. Quelques murs, monsieur, monté, eh bien, policiers, yo, pas vle continuer, policiers kenyans, yo. Yo di yo, pas rentrer dans l'idée pour yo al faire couverture pour bakolo de ça. Et, qui tu aurais été dans base, qui tu allé dans opération, yo a payé yo. Parce que yo signé ensemble avec yo depuis nan moment que yo poko vini. Qui donc, nan moment que yo mette pied yo à terre sous sol là, travail yo déjà commencé. Pas étonné nous rivenons en phase nan opération la police a mené là yo. Nous tande toute opération cancel. Pas étonné nous. Et d'après Pierre Espérance, responsable RNDDH, là, geta gen 18 bandits qui tombaient dans l'opération la police menée sous Bel Air. Kounya là, nous avons toujours posé Pierre Espérance question ça. Chiffre li bail. D'après qui ça li bail? Est-ce que pendant un moment bataille là, est-ce que Pierre Espérance voyait mon enquêteur aller sous place? Est-ce qu'il y a des moun kal sous place kal mené enquête? Et moun sa yo kalé, comment yo faire rentrer? Par qui moyen yo rentrer? Yo capable de découvrir cadavre sa yo, qui sa yo fait? Parce que Pierre Espérance dit clair que opération la police tant mais depuis mercredi 28 août 2024 au niveau de Bel Air ak Solino jusqu'à présent il y a 18 moun qui tombé et 18 moun ça c'est bandi. Dans le premier temps la police fait mention que gagné 3 policiers qui affectés au sein de SWAT
qui ont même été atteints de projectiles. Kounya là, Pierre Espérance vient avec un chiffre 18. Qui ça le fait pour le joindre cadavre ça yo? Pour le vérifier cadavre ça yo? Ça qui est important aujourd'hui, hein, c'est que policiers kenyans yo commencé à désister. Yo voulaient abandonner le fait que vous jugez que blindé qui n'en met yo, hein, c'est pas un blindé de combat, mais c'est un blindé de transport de troupes. Le fait que blindé ça, il a pour transporter troupes et les gens ont quantité de policiers qui en blindé ça, ça vient rendre pas à l'aise pour jouer une qualité aisance pour tirer. Si toutefois gain difficulté ça au niveau de blindé kounya, est-ce que nous pas qu'a dit le moment que blindé en an men yo, est-ce que le patap important pour que yo capable faire pénétration, mettre pied à terre, faire pénétration? Parce que on d'accord que c'est un blindé de transport de troupes, li pas facilité nous pour tirer. Nous connaît dans qui ça que nous vini. Et dans ça nous vini, c'est pour bail qui facile, qui donc nous quittons la caille nous, nous dans l'opération, moun la caille nous connaît que nous ka rentrer, nous ka pas rentrer parce que nous c'est des soldats dans la bataille. Et dans la bataille c'est pas avec un groupe moun qui a gardé nous dans les yeux. C'est un groupe moun qui a une grosse âme même j'ai avec nous. D'ailleurs, avant même nous rentrer, nous t'es informé qui côté n'a venu, qui ça n'a venu faire. Parce que je dis un lien important pour que la police est capable de gérer ça le plus tôt que possible. Parce que dans la situation nous y est, je ne dis pas, par rapport avec frappe ça que monsieur a commencé à recevoir, il y a un pile qui a commencé à paniquer. Il y a un pile tout comme ça qui a fait préparation pour la police. C'est le cas de Jeff Gaulois qui fait exposition de un paquet de chaînes cartouches pour montrer que li déjà prêt la tonne blindé yo. Fok recommandement la police là, gouvernement capable gérer ça. Si toutefois police kenyan yo, c'est mouvement barrage là que a fait dans opération yo, c'est encercler périmètre là, c'est boucler périmètre là que yo fait. Ces policiers nous ont ensemble avec monsieur militaire yo qui fait pénétration que yo fait, parce que je dis là population haïtienne là li vle rale on souffre, li doit rale on souffre, faut li rale on souffre par rapport avec problème insécurité qui gagne dans pays. Nous te prenons plaisir pour que nous te capable porter émission spéciale ça pour nous. Yon l'autre émission pareil, c'est pour bientôt. Pas oublier, li rete pour faire travail Paul. Abonnez si toutefois pour qu'on fait ça. Partager l'émission et ou capable quitter un conseil, une suggestion pour nous dans les commentaires là et nous prenons un pile plaisir pour que nous capables et pour nous appliquer ou bien pour nous corriger.